Hotep à tous, je suis en présence de la pirate Amamazama et du Chienouti Audio, toujours dans le cadre du lancement de la division suisse d'Afro Centricity International. Donc il s'agit d'une petite vidéo qui va expliquer un petit peu le séminaire qui aura lieu le 22 novembre 2017, donc ce sera un mercredi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passera pendant cette journée du mercredi 22 novembre ? Oui, donc mercredi 22 novembre 2017 aura lieu la troisième journée du lancement de la division d'Afrocentricité internationale en Suisse. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les Africains de Suisse qui sont venus donc, aux deux premiers événements, qui a été un grand succès. Et nous invitons donc à cette troisième journée qui se tiendra à la 15 rue des Savoises à Genève, à la maison des associations. D'accord. Alors, Amamazama, en quoi va consister ce séminaire ? Eh bien, c'est un séminaire de spiritualité africaine appliquée, c'est-à-dire que nous allons apprendre très concrètement aux frères ou sœurs qui souhaitent se reconnecter avec leurs ancêtres à le faire. Et en particulier, nous allons monter un hôtel pour les ancêtres ensemble, pour que tous et toutes voient comment le faire, comment créer un espace sacré, un espace consacré à leurs ancêtres chez eux, pour pouvoir se connecter avec leurs ancêtres de façon directe. Voilà, donc en fait c'est une continuité hein, de la conférence que nous avons eue sur la spiritualité africaine ce week-end. Absolument, il s'agit maintenant de passer à l'acte, si vous voulez passer à l'action, parce que nous sommes beaucoup à vouloir nous réorienter dans notre spiritualité africaine, mais sans savoir comment le faire. Donc mercredi, vous allez avoir des éléments de réponse concrètes, comment le faire. C'est très simple, mais il faut évidemment savoir. Donc mercredi, nous allons, 22 novembre, nous allons passer à ce stade de l'application des principes sur le territoire. Chez Nouti Audio. Alors nous demandons à tous ceux qui ont déjà effectué le déplacement les deux derniers jours, de venir cette fois-ci mettre en application ce qu'ils ont entendu. Parce que nous pensons que pour gagner cette victoire dans cette guerre idéologique et raciale que nous mènent nos ennemis, il nous faut une source d'énergie, il nous faut une façon de faire, il nous faut une façon d'être. Et cette façon d'être est de la source d'énergie dont nous avons besoin pour obtenir de la pratique de notre spiritualité en tant qu'Afrique. D'accord, bah merci beaucoup. Donc nous espérons vraiment vous rencontrer nombreux pendant ce séminaire-là. Donc merci Perat. Merci Chienouti. Merci Hotep. Hotep à tous. Hotep.